tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur ma chaîne, donc là je vais vous tourner deux vidéos bilan lecture d'affilée. Je préfère en faire deux courtes plutôt qu'une très longue parce que personnellement j'aime pas trop regarder des vidéos qui durent plus d'une demi-heure. Donc du coup voilà, je me suis dit que je vais donc faire mon bilan lecture en deux vidéos puisque j'ai 8 livres à vous chroniquer. Donc du coup, je vais faire 4 et 4. Comme ça, j'aurai deux petites vidéos pour vous cette semaine, normalement, si j'arrive à terminer mon montage à temps. Alors, on va commencer par le premier dont je souhaite vous parler. Il s'agit donc du dernier tome d'une trilogie qui est sorti. Ce dernier tome est sorti, je crois, au mois de mars. Donc, il était temps que je le termine. Il fait partie de ma liste pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, j'ai enfin terminé la fameuse trilogie du Prince Cruel avec le tome 3 qui s'appelle La Reine sans Royaume, écrit par Holly Black et publié chez Rajo. Alors dans ce troisième tome, on clôture cette saga où on suit Jude et le prince Cardan. Jude qui est une humaine et le prince Cardan qui lui est un prince, comme son nom l'indique, Fae. Dans le premier tome, on suit Jude qui est une humaine et qui a été kidnappée avec sa sœur jumelle et sa grande sœur par un grand Fae qui a assassiné leur mère et leur père devant leurs yeux. Enfin bon bref, voilà. Et il décide de les emmener dans sa cour Fae avec lui et de les élever. Et donc elles grandissent autour de Fae qui ont des pouvoirs, ce genre de choses, avec des complots de cours. Enfin voilà, c'est assez mystérieux. Et en étant humaine, eh bien en fait elles ne trouvent pas leur place, enfin, en tout cas Jude ne trouve pas sa place, et tout ce qu'elle veut c'est prouver un petit peu sa valeur et devenir chevalier, etc. Enfin voilà. Mais bon, le sort en a décidé autrement pour elle. Elle se retrouve harcelée, maltraitée par notamment un Fae qui est le prince et qui s'appelle Cardan. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails. Je remercie vivement Summary's Books pour ses résumés spoilants parce que sans elle, je pense que j'aurais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à me remettre dans ma lecture parce que ça faisait un certain temps que j'avais lu le tome 2 et je ne m'en rappelais quasiment pas finalement. J'avais pas du tout de souvenir. Après, en relisant le résumé spoilant, oui, ça m'est revenu en mémoire, mais comme ça, je ne m'en serais pas rappelée toute seule. Donc un grand merci à elle parce que vraiment, elle m'a sauvé la vie pour le coup. J'ai mis quand même un peu de temps à me remettre dans ma lecture parce que même après avoir relu ce résumé, j'ai mis, je pense, 50 pages peut-être à vraiment me remettre dans l'histoire. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher. C'est l'écriture d'Holly Black, je pense, qui est très fluide, qui est très addictive pour moi. Dans ce troisième tome, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Jude, qui dans le premier tome surtout est très tête à claque finalement. Des fois j'avais vraiment envie de lui mettre des baffes et de lui dire réveille-toi, etc. Mais voilà. Et là je trouve qu'elle a vraiment bien évolué dans le bon sens du terme. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans ce troisième tome, on retrouve également ses deux sœurs. Donc sa grande sœur Vivi, qui elle est une fée, une fae. Et sa sœur jumelle Taryn, avec qui dans les deux premiers tomes, elle entretient des relations plutôt chaotiques, on va dire. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié aussi l'évolution de Taryn également. Ça m'a plutôt bien plu également ce point-là. Dans ce roman, il se passe énormément de choses. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, la dernière grosse péripétie du roman, en fait, est vraiment super haletante et très stressante. Je me doutais de sa conclusion, mais j'avais vraiment envie de voir et de connaître et de savoir comment ils allaient s'en sortir, etc. Comment ils allaient faire. Et vraiment, ça m'a énormément plu. J'ai aussi adoré Cardan dans ce troisième tome. Je ne pouvais pas le blairer dans le premier. Dans le deuxième, c'était mitigé, on va dire, parce que commence un petit peu à évoluer, mais on ne sait pas si c'est véritablement une évolution ou alors si c'est un jeu auquel il joue. Et là, dans ce troisième tome, vraiment, je l'ai adoré. Son caractère, son humour, etc., sa détermination, sa fragilité aussi, ça m'a beaucoup touchée dans ce troisième tome. Même si, malgré tout, je n'ai pas du tout ressenti d'alchimie entre Jude et Cardan, parce que bon, voilà, on se doute quand même qu'ils vont peut-être entretenir une histoire amoureuse. Et bah là, bizarrement, par contre, j'ai pas trop ressenti cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre.
un petit peu, mais c'était pas très flagrant pour moi. Donc, en résumé, quand même, je lui ai mis 4,5 sur 5, donc ça a été une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome, pour moi c'est le meilleur. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Cardan qui dit à Jude: Allons Jude, ne me dis pas que tu me crois incapable de te reconnaître. J'ai su que c'était toi dès l'instant où tu es apparu dans le tertre. Ensuite, le second roman dont je vais vous parler dans cette vidéo fait également partie de ma liste pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai enfin commencé une trilogie, encore une fois. Donc là, c'est le tome 1 de Aurora Squad, écrit par écrit par Amy Kaufman et J. Christophe, et publié chez Casterman. Il s'agit de science-fiction. Et je ne lis que très peu, voire rarement, de la science-fiction. Dans ce roman, il y a certaines choses qui m'ont fait penser au film de Luc Besson, Le Cinquième Élément, où quand je le lisais, bah, je m'imaginais, j'avais l'impression de me retrouver dans l'ambiance de ce film que j'adore et que j'ai regardé 25 fois à peu près. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment immergée dans cet univers et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai adoré tous les personnages de l'escadron, donc de cet escadron un petit peu foireux, parce que je vous rappelle, dans cette histoire, en fait, on va suivre un escadron spatial et en fait l'histoire commence juste avant la répartition des différents postes dans les escadrons, puisque on suit le chef d'escadron Tyler qui le matin où il doit aller à la distribution des postes arrive en retard puisqu'il a sauvé un vaisseau en errance dans lequel était une jeune femme qui était cryogénisée, donc du coup il l'a sauvée au péril de sa vie, etc., etc. Et donc il arrive en retard à cette cérémonie et il se retrouve du coup avec tous les bras cassés de l'école. Et donc sur le papier c'est quand même mal parti parce qu'en plus lui était le comment on appelle ça, le major un peu de sa promotion, il aurait dû pouvoir avoir les meilleurs personnages pour chaque poste, etc. Et il se retrouve avec les rebuts, ceux dont personne ne veut. Ils vont vivre ensemble des aventures et ils vont devoir essayer de sauver Aurora qui est donc cette jeune femme qui a été sauvée par Tyler. Et en fait, il y a d'autres choses, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et voilà, on va suivre leurs aventures. Cette équipe donc est absolument incroyable parce que chaque personnage est vraiment unique en son genre, a des défauts bien évidemment. Et en fait, tous ensemble, il y a une certaine émulation et puis on pense pas au début que ça va fonctionner, puis on s'aperçoit que si, que finalement ils forment une famille. Et vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé ces différents personnages qui apportent chacun quelque chose de vraiment bien spécifique au groupe. Et d'ailleurs les deux auteurs sont cruels je trouve, parce qu'à la fin il y a un des personnages, je ne vous dirai pas qui, mais il y a un des personnages qui meurt et vraiment j'ai été très très triste. Je m'attendais pas à ça, je me disais qu'ils trouveraient une solution et puis finalement bah non. Ce que j'ai beaucoup aimé également c'est que dans ce roman il y a beaucoup beaucoup d'action. Finalement on souffle très très peu souvent, on respire très peu parce que vraiment il y a beaucoup d'action, ils vivent des choses assez incroyables. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman également c'est l'alternance des chapitres, c'est-à-dire que donc on va avoir un chapitre avec un personnage et en fait on va suivre tous les personnages de cet escadron et tous leurs points de vue. Et au début ça peut paraître un peu trop parce qu'ils sont 7 du coup au total je crois, ouais ils sont 7 au total. Donc 7 personnages différents qui donnent leur avis, ça peut paraître beaucoup et puis en fait non, c'est très riche et ça nous permet vraiment d'avoir des points de vue. D'ailleurs la façon dont les chapitres sont écrits ressemble aux personnages, on ressent tout à fait la personnalité de chaque personnage dans les chapitres, on pourrait sans avoir les prénoms reconnaître qui parle. Ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un super travail et j'ai beaucoup beaucoup apprécié et donc je lirai avec certitude le tome 2. En ce qui concerne la citation, je ne sais plus qui dit ça, je ne l'ai pas noté, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai beaucoup aimé cette citation qui dit « Je préfère les gens qui sont légèrement hors normes, au moins ça les rend exceptionnels, non ?» Voilà. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors ensuite, j'avais commencé, je crois, pour le challenge du mois de la fantasy. J'avais lu la première partie du Prieuré de l'Oranger et donc c'était au mois d'avril ou mai, je ne sais plus. Et je ne l'avais jamais fini et donc je me suis dit que là c'était quand même le moment parce que sinon je ne le terminerai jamais. Donc j'ai enfin terminé cette
grosse pavasse, ce gros bébé. J'ai donc lu la seconde partie du Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon et ici publié chez De Saxus. Alors, pour faire les parties, je me suis référée en fait aux versions poche, puisque les versions poche ont été publiées en 2 tomes. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais suivre un petit peu leurs propositions. Alors, compliqué hein, ce roman pour moi. Alors, je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai malgré tout mieux aimé la seconde partie que la première. Je vous rappelle, pour la première, je vous avais dit que j'avais mis plus de 150 pages à entrer dedans. Et encore une fois, entrer dans l'histoire, c'était quand même assez fastidieux pour moi de m'y remettre. Là, c'était plus ou moins la même chose. J'ai mis quand même beaucoup de temps à le lire. Alors certes, je le lisais le soir sur ma liseuse, mais ça a été assez long. Donc voilà, je suis très mitigée sur cette lecture. Je ne comprends pas tellement en fait toute la hype, toute la mode, toute la fureur qu'il y a eu autour de ce roman. Je dois être honnête. Après, il y a eu des choses très très bien. Je vais détailler un petit peu, mais vraiment, le fait que tout le monde en parle, que ce soit quelque chose un petit peu d'obligatoire à lire parce que tout le monde l'adore, etc. Moi, je suis passée totalement à côté en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais garder ce roman. Alors, il est beau quand même. En plus, ça fait longtemps que je l'ai parce que je l'avais acheté après avoir lu La Passe-Miroir, puis La Reine de Cendres, la trilogie du Tierling. Et c'était la dame qui travaillait à Gibert qui m'avait conseillé ce roman. Donc du coup, ça fait un moment que je l'ai. Il fait partie des premiers fantasy vraiment que j'ai acheté. Donc c'est un petit peu sentimental. Mais bon, je vais réfléchir. Je ne sais pas trop. Il prend beaucoup de place en plus. Donc je ne sais pas si je vais le garder. Comme je vous le disais, cette seconde partie, pour moi, était beaucoup plus haletante que la première. Même s'il y avait encore beaucoup, beaucoup de longueur. Alors, je comprends qu'il faut installer son monde, etc. Mais quand déjà, sur les 500 premières pages, on a des longueurs assez imposantes et qu'on a compris en fait l'univers finalement, parce que sur l'univers, on n'apprend pas tellement beaucoup plus de choses que ça dans le second tome, dans la seconde partie. Donc les longueurs, moi ça m'embête en fait, plus qu'autre chose. J'aime pas particulièrement ça, comme les descriptions, hein, mais là, les longueurs. En fait on aurait pu les couper et passer directement à l'action, ça aurait été beaucoup plus intéressant. En contrepartie de ces longueurs, il y avait quand même beaucoup de passages qui étaient hyper haletants, hyper intéressants, hyper intrigants, qui du coup m'ont gardé en haleine malgré tout et m'ont permis de ne pas décrocher. Donc vraiment, heureusement que ces passages étaient là, parce que sinon j'aurais abandonné ce roman. Dans cette seconde partie, on arrive enfin à relier tous les personnages que l'on rencontre dans la première partie, parce que, je vous rappelle, c'est un peu un roman choral, entre guillemets. Il y a énormément de personnages, et on ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas quelle est leur quête. Enfin, c'est très 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 complexe comme monde. Et donc, dans cette deuxième partie, enfin, il y a les connexions qui commencent à se mettre en place. On arrive vraiment à comprendre un petit peu leurs interactions, les implications des actions de tel personnage sur tel autre, etc. Enfin voilà, ça c'était vraiment bien parce que au moins on commence à mettre du sens finalement à cette histoire et à la première partie. Alors, la seconde moitié de cette seconde partie, donc on va dire le dernier quart du roman, m'a beaucoup beaucoup plu. C'est celui-là qui a fait monter ma note finalement, parce que la fin était très haletante. La bataille finale était époustouflante, très cinématographique. Vraiment, j'arrivais vraiment bien à me représenter tout ce qui se passait et c'était épique. Voilà, et ça vraiment j'ai beaucoup aimé avec les dragons, etc. Enfin, là, c'était vraiment super et on s'ennuyait pas, quoi. Par contre, j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux différents personnages. Je n'arrivais pas particulièrement à les apprécier plus que cela. Le fait que je n'ai pas réussi vraiment à m'attacher à certains personnages ou à tous les personnages, et bien c'est ça qui m'a un petit peu empêchée d'entrer complètement dans cette histoire. Je suis mitigée, c'était complexe, c'était trop long. Je ne suis pas convaincue par cette lecture. Vous l'aurez compris. Alors, en ce qui concerne la citation, il s'agit de Naïmatoun, que je ne me trompe pas, c'est un dragon, c'est le dragon de Tané, qui dit à Tané justement « Pour être la sœur d'un dragon, tu dois non seulement avoir une âme d'eau, mais aussi le sang de la mer. Or, la mer n'est jamais pure, elle est complexe, elle recèle des ténèbres, du danger, de la cruauté. Elle peut raser des villes entières sous le coup de la colère. Ses profondeurs sont insondables et n'ont jamais vu la lumière du soleil. »
Être une Midushi, ce n'est pas être pure tannée, c'est être comme la mer. Ma dernière lecture, qui fait également partie du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit d'une bande dessinée et il s'agit du premier tome de L'Enfeuse de Troie, écrit et dessiné par Arleston et Tarquin et publié aux éditions Soleil. Il s'agit d'une relecture pour moi. Je souhaite me replonger dans cet univers parce que j'avais lu les 2-3 premiers tomes seulement, puis après j'avais arrêté. Donc il faudrait me refaire toute la série. Et donc voilà, c'est une super BD qui est très drôle, qui a des décors et des paysages magnifiques. Cette histoire, ce monde de fantasy est vraiment très très intéressant. Et les personnages sont très drôles. Celui que j'apprécie particulièrement, c'est le troll que je trouve très très drôle, qui me fait beaucoup rire. Et donc du coup voilà, je vais me refaire cette série. Ce monde est très grand puisqu'il y a l'enfeuse de Troie. Il y a aussi après l'Enfeuse des Étoiles, l'Enfeuse d'Odyssée, Troll de Troie, enfin il y en a beaucoup beaucoup. Donc du coup, je pense que j'ai de quoi faire. Et voilà, cette vidéo est terminée, cette première partie de bilan de lecture est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ces différentes lectures et puis qu'on puisse en discuter en commentaire. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes lectures. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !